Bienvenue sur Contact Pro Live. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour. Ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro. Espérant que nous allons passer des bons moments. En tout cas, je vous remercie parce que vous pouviez choisir d'autres chaînes, mais vous aviez décidé de nous suivre pour notre nouveau numéro d'aujourd'hui, le 14 septembre 2021. Ici à Johannesburg, il est déjà 12 heures où nous sommes en direct sur Facebook pour certains et d'autres personnes nous suivent, nous suivons en redifféré sur YouTube. Nous sommes tout simplement sur Facebook en direct. Nous parlons de quoi aujourd'hui, mesdames, demoiselles et messieurs? Comme promis la semaine passée, je vous avais dit que nous allons parler de l'état de siège. Mais le sujet d'aujourd'hui va tourner tout autour de l'interview que notre confrère HK Honoré, qui a interviewé le lieutenant Jules Ngongo du FARDC, qui était dans l'Ituri, c'était dans la soirée du samedi au vendredi à samedi, où nous l'avions suivi vraiment avec beaucoup d'attention. Mais comme nous avions déjà programmé de vous parler de cet état de siège de notre côté, en tout cas, ça nous a vraiment encore enrichi de ce que nous allons parler de ça aujourd'hui. Ça nous a enrichi notre point de vue. Nous allons parler du point de vue de l'armée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'armée, mais en suivant le lieutenant Jules Ngongo, nous avions constaté encore d'autres choses, d'autres flagrances qui fait à ce que cet état de siège, il y a beaucoup à boire et à manger. Le côté Zali, Bosolope Zali na kati, na kiko rejete ma kamyo surtout Jules Akoka à l'obakite. Alors nous allons analyser ça et nous allons donner finalement notre point de vue parce que dans Contact Pro Live, souvenez-vous que nous parlons aussi des solutions. Quelqu'un m'avait dit que non, nous ne pouvons pas être, nous ne sommes pas de militaires pour donner des solutions, quoi que ce soit. Nous allons parler de notre point de vue. Bato baza na kati ya parlement, le lo oyo baza ko tala makambo far de sa za kolu, aza ko sala, baza pe na point de vue na bango. Comme tout Congolais, je me dis, j'ai un mot à dire sur ce qui se passe. Nababilo kotoza komona. Est-ce que Babilo Kozo sale ma be ou bien zo sale la malam? Est-ce que peut vraiment ekoko mananani na ba territoire wana mi balé, disons ba province wana mi balé, oza na kati état de siège? Les lots oyo, on commence à penser à prolonger, parce que Zalaka, 15e jour, nous allons arriver au 10e prolongation de cet état de siège, alors que sécurité zo zon gâté. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet qui est l'état de siège, point de vue de l'armée. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, un député provincial échappe à un assassinat à Goma. Covid-19 en RDC, enfin Félix Tshisekedi et son épouse vaccinés. On va sur actualité.ca. IGF sur 100% dans une autre classe politique, on ne peut compter que 5% des personnes intègres. Depuis 10 milliards de dollars, le budget de tous les enjeux avec en point de mire le recensement, la répartition des élections, la préparation des élections, la paix dans l'Est. Congo profond, CAF Lucas, Maniema Union arrache un bon match nul face à Boengui dit Gabon. Prison centrale de Bounia, 74 est détenu, remis définitivement en liberté. Annoncé positif au coronavirus, c'est Covid-19 au Bénin avec le léopard. Ben Malango tente un doublé aux Émirats Arabes Unis. 7 sur 7. RDC, la vente des produits agricoles dans les cantines militaires va lutter contre la spéculation de prix sur le marché. Ça, c'est Juppé Kasson Gatabouika. Puis à RDC, en 2023, le président Tshisekedi sera réélu car les efforts consentis auront un impact positif sur son bilan. On termine par Radio Okapi.
Félix Tshisekedi dote certains camps militaires des cantines de vente de produits agricoles, manier ma reprise du trafic sur l'axe Kindu Kasongo après la réhabilitation de Port Kasakwa. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. D'emblée, nous sommes très contents parce que finalement, Bama Kambu Oyo Toyo Kaka et Paya, donc par rapport la presse, il y a FARDC. Oyeza la Katam Soussoutka, Bama rapport à Mike Mike, O Aluba Kiboyo, 2 minutes, 3 minutes. Nous avions eu vraiment, et puis nous avons eu le temps d'écouter quelqu'un, Tito, en tout cas pendant 30 minutes. Lieutenant Jules Ngongo Aloba qui penza Alobi Onyos Alobaka. Qu'est-ce que nous avons constaté d'abord dans tout ce qu'il a dit d'emblée? Comme tout Congolais et comme djaloliste, il a été totalement positif. Donc de la première phrase jusqu'à ce que l'émission a été terminée, en tout cas à 85%, il a été positif de l'action de l'armée. Il nous a expliqué comment l'armée était en train de conquérir des chefferies. Ndenge bazako beta ba munguna ndenge bazako sala ba biloko na nyoso. Il nous a parlé oh nyoso pourcentage na lobby 95% éthiquement. J'ai été quand même content à reconnaître que non bazo subir pe ba perte na kati ya FARDC na biso. Ba perte ezali na kati ya guerre na bitumba nyoso. Ma perte est à la kaka. Ça, c'est quelque chose déjà. Moi, là, n'est-ce pas. Mais ce que nous sommes dit, on y a l'obaki d'abord. Sur le plan logistique et armé, sur le plan logistique et armé, il n'a pas été clair que logistique est à l'obaki. Pourquoi on a l'obaki d'abord? Bon, comment on a mingi dans le reportage, soldats, généraux, quoi que ce soit. Vous allez voir que les militaires qui sont au front, au moins il y a un jeep, il y a même un taba. C'est ça, c'est un signe déjà qui nous dit que non, collier y a un toit, il y a un mouté. Nous avions eu des nouvelles que non, il y a un soldat, il y a un soldat, il y a un. Et ça consistant, ce n'est pas organisé. Le FARDC n'est pas organisé au front pour les sabbats. Ils mangent sur le dos de la population. Ça, c'est un fait. Tout ce que nous connaissons, c'est ça. Au commande de la militaire, tant qu'on envahir le village, bien sûr, comment ça se peut parce que. Et c'est là que nous sommes dit, presse anani ya FARDC, il faut ça la makasi pour ela ki sabato baza ko supporter bango ba difficulté ni bango baza ko zwa. Logistique ya FARDC eza malamu te, ça c'est en fait par le même trichement quand tant nani jila za ko solola alobaki il n'a pas fait mention. Les gens qui ont intervenu, bisonoso, tous en a besoin que FARDC longa bitumba wana. Mais la façon dont on nous a vu, on nous a fait voir, bilokwana, nous ne sommes pas, ça ne nous a pas rassurés. Deuxième point, oh, ezalaki yamakasi, oh, tomonaki que le lieutenant Jules n'a pas parlé, ezalaki kaka, ezali likamboya complicité na katia armée wana. Armé wana o ezali sur place eza batie kaka mutu ali yanani na disons le général Johnny na côté ya Ituri kuna kaka il est venu à la tête d'une armée qui se trouvait déjà là-bas depuis des années. Nous n'avons pas eu une nouvelle unité, peut-être Mikolo nde bazako changer ba unité wana, mais bazako changer ba unité wana te on n'a jamais entendu parler que non. Pourquoi? Parce que ça c'était et ça là qui recommandation à population. Même à Beni, même à Ituri là-bas, on a des là qui recommandation à Koloba que non. Bah soldat oyo bazali côté oyo. Mingi bah se familiariser na ba biloko eza kozala wana. Okomona ba creuser ba carrière kuna ba coopera kana ba soldat na biso. Oya kalao bazalaki kuna. Donc, complicité, monguna tango eza azali, bokomona,
au lieu de s'attaquer à mon goût, au lieu de s'attaquer à ils cherchent d'abord leurs propres intérêts. Pourquoi? Parce que Kinshasa ne les rassure pas. Bozoyo au cabinet, moko balobi que non. Baration mususu mbongo mususu etikala na Kinshasa oh 13 millions ya nani ya destiné à état de siège etikala na Kinshasa. Les soldats à la base ne sont pas rassurés qu'ils sont dirigés. Mutuna mutu akoma kotire couverture na côté na ye. C'est ça le problème qui décourage même ba soldats au bazar na kati ya terrain au bazar na front. Tant mususu kolia malamu ezalite sélection kaka. Batumsusu bazoli ya malamu, batumsusu bazoli ya malamu te. Et ça, nous le tenons ça avec, pour parler le soldat même, au baza na kati ya front, au ba petit mnabiso, au ba nande, au ba kendaga na front, au koyoka ya wana na lobaka, ba source msusu, on ne peut pas vous le diffuser comme ça. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Lieutenant Jules Ngongo a prononcé combo ya chef naye, général Johnny, pendant plus ou moins 15 fois, Azako Kumisae, en stratégie nae, oh boy, bandeko, on est en biblio quoi, djalelo, il fait pas, Azako Lobakaka, yende moutouam, yende moukonzi, yende moussasala kibo, yende moutasala kibo. C'est ça le mal congolais que nous avons, otozako lingate, yango yangoana. Victoire wane kozala, Johnny de moutouazala ki kozala ndengwana. Johnny kaka ne moutouazala kibo, Johnny de moutouazala kibo. On refuse, donc, biso moko toza ko refuse bato baza kozala moussala. Est-ce que Johnny de moutouazala ko beta massa sikuna? Moi je crois que nous devions faire beaucoup plus mention. Yaba na wana baza na front o baza ko kende. Eza victoire ya armé mobimba. Eza la victoire ya moutouté. Tant que tous les collègues qui s'abattent, les bossos, il y a victoire, il y a Mboka, et ça peut biaiser Babylon qu'on y a surtout. Parce que même celui qui est na front, il a son nom, à ta top gagné, et qu'on a la caca, Johnny ne m'a pas gagné, qui Johnny ne m'a pas gagné, qui c'est la même chose dans la carte politique, dans la biseau à l'élo. L'élo, IGF, tous les gens qui IGF, et Salim Moussala et Zagil Alingeti. On associe directement à ces messieurs-là qu'on voit Yenda Kominzambe. Et puis le problème, c'est que na succès, on a Moutouana Yepé à Komi Komona, Yenda Komi Super, Yenda Komi Kosala, on y a surtout à Koki Kosala, Kolinga Kosala. Il n'a pas parlé de la justice. On avait demandé à ce que combien, les chiffres qu'on avait posé, combien. Yabatu obokanga kuna. D'abord, sur le plan de la nationalité, yabatu oba simba mando ki oba zoktoza ko benga ba ennemi. Oba kodeko oba kuda. Il a bien dit que batuana batu oba za ba étranger kuna bazate. Or, nous savons bien que au sein même de l'armée, batu kote kuna, ce que nous savons et qui est vrai et qui est vérifiable, bandeko, presque la complète. Ba commandant nyonso oyo 95% ba commandant ya ba troupe kuna beaucoup sont des oyo ba uta ki na ba brassage na bango on les appelle les banyarwanda excusez-moi le terme ba tuana ne mtu baza oyo bazo batayo suki nini ce sont eux au chef de camp ba bango wana nde bango moko baza kwana ils sont des commandants bango le mtu baza à la tête maintenant. Quand vous prenez un Johnny qui est congolais, à Ekokuta, Batouana déjà basala kakuna, il se sou, bayebi, banani, parce que beaucoup qui sont là, bayebi, ba defango, bayebi, ba kodeko, ba kopera kana bango.